Allez, c'est parti. Alors, je vais juste mettre mes écouteurs. Alors, nous voilà repartis sur ce Let's Play Final Fantasy 9. Donc là, on a fait... Donc là, on était dans la ville de Lindblom. On a terminé le festival de la chasse. Donc c'est Freya qui a gagné le festival de la chasse en remportant une Coraline. Donc j'étais pas sûr qu'il n'y avait pas une importance finalement par rapport au vainqueur, mais il n'y en a pas tellement. Donc soit, soit on avait de l'argent en se battant avec Jidane, ou soit on gagnait cet objet. Bon, de l'argent on pourra toujours en gagner plus tard avec les combats, donc j'ai vérifié ça sur internet aujourd'hui, je me souvenais plus. Donc bon, c'est pas très très grave, donc on a réussi ça. Ensuite il a apparu que... A priori, la royauté d'Alexandrie avait attaqué la cité de Blumessia. Et donc, on a tous décidé de partir sur Blumessia pour voir ce qui s'y passait. Tout en indiquant à la princesse Gona que c'était un front de guerre et qu'il fallait qu'elle reste là. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a tous empoisonnés. Et elle s'est sauvée avec Steiner, qu'elle n'avait pas empoisonné. Voilà. Et donc maintenant, on part en direction de Blumessia à la suite de la princesse. Donc un gros gros merci, a big thank you for the new follower Arachniod qui nous a follow hier, je crois. Donc a big thank you for your follow Arachniod. See you soon. Bon, alors, let's go. Et un gros bonjour aux personnes qui nous suivent également sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de level up. On va juste vérifier pour là. Ok, donc ça c'est good. Donc, on a qui ? Jidane en level 9, Freya en level 9 et Bibi en level 9. Donc on va vérifier tout de suite les équipements. Alors... Là on est en train de faire quelque chose la dernière fois. Alors, si on repasse à 24... Il faudra à un moment donné, bon, on va le mettre tout de suite parce qu'il vaut mieux passer à 21 maintenant d'attaque et valider la compétence et réutiliser le 24 plus tard. Donc ça... Donc là, Carapace, on peut rien faire. Par contre, il y a une compétence casque ici. Undead Killer. Protection 6. On va la mettre maintenant. Alors, le vitrou mêlé. Hop, ça on peut le laisser. Cuirasse. Galanterie, on l'a déjà, ça c'est good. Alors maintenant, on a une coralline. Bague sertie de coraux, absorbe l'élément tonnerre. Nuit blanche et tueur. Bon, ça on va la mettre. Ryuken, je me demande si c'est pas pour Freya. Donc ça on va la mettre. Voilà. Compétence, on va l'allumer. Biskiller, ça on va le garder. Bon, Bougil, ça on va le virer parce que pour le moment, ça on va l'allumer. Sa galanterie, on s'en fout. Hold up, il est validé, c'est good. Morphée. Donc ça, c'est pas validé. Ça, c'est pas validé. Obscurité. Voilà.
là, on va l'allumer. Voilà. Alors, ensuite. Freya, les équipements, équipés. Donc, Dragon Killer, bon. Elle a une javeline, ça on va le laisser. Gomarmette, ça change rien. Par contre, elle peut avoir Entomo Killer d'activer. Mithridate, Paracou. Bon, ça on va lui laisser. Couverture, armure de la couverture. Ça change rien. Mais donc là, pour le moment, ok. Donc on va passer sur ses compétences. On va les activer. Donc on a Entomo, Dragon. Ah ah. Couverture. Mithridate. Voilà. On va changer l'équipement du petit Bibi. Donc on n'a pas de nouvelle canne. Chapeau pointu. Donc là on a tout validé. Hop, on va lui mettre ça. Un cuirnier. Esquive magique 7, esquive tout court. Ouais, on va lui mettre ça. Ça, ça change rien. Et on n'a toujours pas d'accessoires. Ok. Les compétences du petit Bibi. Alors, activer tonifiant, c'est bon. Mithridate, on va l'activer. Hop, voilà. 402, 51. Ok, ça c'est good. On va quand même passer en vitesse. Combien on a d'argent? Oh, on a toujours que 750. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques combats pour gagner du pognon. Et ensuite, on retournera à la forge parce qu'il nous manque des objets. Alors, on va faire quoi? Donc là, c'est soit on passe au sous-sol ou au premier étage. Non, rester sur place. Donc je crois que la porte elle était dans le quartier commerçant. Quartier commerçant, ouais, quartier commerçant. C'est Mamie Cornichon. Oh non, Dame Marguerite. Maintenant, il y a le taxer, mais avant, on pouvait se déplacer en chocobo. À cette époque, il fallait une heure pour aller au quartier théâtral. C'est pas par là. C'était pas par là. Voyons voir. Voilà. On descend ici. On va faire quelques level up. On va en même temps en profiter pour visiter un petit peu dans le coin ici ce qu'il y a. On n'a pas encore fait cette zone là. Hop, 144, c'est réglé. Un béquet. Gilles. Bon. On va aller voir dans
dans cette petite forêt ici. Magie noire, on va lui mettre glacier direct. A chaque fois qu'il se prend un coup, il augmente. Le tout, c'est de le tuer avant qu'il atteigne sa taille maximum. Ce qui est fait. Donc là j'ai passé en combat automatique avec des petits monstres. Voilà. Et comme on les aura en un coup. Aveugle. Ah non. Hop. Tatatam, bam bam baram papam. On visite un petit peu toute la carte pour voir un peu ce qui s'y passe. On sait jamais s'il y a des trucs intéressants. Un petit béquet. Raté. Très bien. Ah, ils nous ont endormi frire. Fumier. Tiens, bim. 18 par Bibi. Et voilà, bam. Ça, c'est fait. Alors. Blink. Défense. Croyez nous avoir. Freya n'a pas une grosse attaque directe. On va utiliser ses compétences dragon pour que ce soit plus efficace. Ah, niveau plus pour Jiden. Des petits sous. Alors, voyons voir. Là-bas, il y a quoi? On va pas aller plus loin que ça. Ah, on nous attaque par surprise, fumier. Alors, on va essayer sa compétence dragon. Ah, elle en a pas encore. Alors,
Donc j'ai sur Bip Bip Potion. Donc sa compétence sautée, donc en gros elle s'en va. Et ensuite, donc elle peut pas être touchée pendant un tour. Et ensuite elle fait une attaque qui est plus puissante sur le deuxième tour. Voilà, bam, 288. Niveau plus pour Bibi, et ensuite on sera à niveau 10. Une vingtaine de combats. Tiens, ici on peut pas passer. Ok. Il va falloir une vingtaine de combats pour pouvoir atteindre les plus grosses compétences. Là, il y en avait une à 70 épées. Ce qui en fait. Ce qui fait 35 combats, ce qui est un peu long. À mon avis, elle aura pas tout de suite. Goodbye les araignées. Voilà, BB18. Gem. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, il y a une sorte de racine géante. Voilà, celui-là il est fait. Un petit blink sur Bibi qui s'endort. Voilà. Donc la compétence Dragon de Freya, finalement, elle est pas aussi. Parce que c'était 288 points d'attaque, malgré son niveau. Donc à mon avis, il va falloir lui changer d'arme, parce que là, c'est un petit peu juste. Bon, elle a appris Mithridate. Ok. Les compétences de Freya, voyons voir. Non. Ouais, c'est ça, c'est Dragon Killer. 70. On va voir si on peut lui changer ça. Hop. Le psy passe à 23, mais en esquive elle a 10. Donc on va le mettre. Armure de là. Ok. Et on va lui activer. Voilà. Alors ici on a une petite forêt. Voilà. Et 440. Pororopam, pororopam.
Allez, FF. Petit bug. Ah, ça y est. Ok. On augmente les levels, mais en espérant qu'il y aura un rattrapage des levels pour... Parce que là, Freya vient de nous rejoindre et elle était déjà niveau 9. Donc nous, on était niveau 9. Alors, à mon avis, les nouveaux personnages récupèrent un niveau qui est à peu près équivalent au reste de l'équipe. Mais la question essentielle, c'est si la princesse et Steiner vont avoir le même truc. Sinon, on évolue trop et qu'il faut récupérer 4 ou 5 levels avec eux, ça va être un petit peu chiant. Il casse les couilles avec son blink. Raté. Tac. Blim. Voilà, on a 4000 giles. Ça augmente tranquillement. Voir si la magie fonctionne sur lui. Et là, elle est toujours en l'air. Bon, Mithridate, ça c'est validé. Ok. Alors, on va repasser voir ça. Tueur est pas fini. Alors, Mithridate, c'était nuit blanche. Protège de poison et toxique. Ok, ça c'est fait. Obscurité, c'est fait. Protège de Morphée. Ok. Frappe plus durement les humanoïdes. Ça, on va lui enlever. Attends, c'était quoi déjà? Bon, pour le moment, ça va. Donc, on va activer ça. On va activer ça pour la finir. Là, il n'y en a plus normalement. Le reste est validé. Ok. Alors, équipement. Did Boulgile, c'était galanterie. Ça change rien. Ça lui enlève des points. Et nuit blanche et tueur. Ok. Alors, Spim, brasier, 116. Ils sont résistants, hein, ces dinosaures poussins. Allez, son blink. Hop, 312 cette fois-ci. Ah, c'était pas mal. De remonter jusqu'à peut-être je sais pas 10 000, ça risque peut-être d'être un petit peu long. Papa,
attaquer le Pélibon tout de suite. Voilà, comme ça on s'en débarrasse. Et Freya, elle peut gérer facilement l'autre. Voilà. Bam, 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 bam. Ah, ça y est. Des nouvelles compétences qui sont validées. Et on va juste aller voir Freya. Ça, c'est auto-killer, c'est ce qui vient d'être validé. Ok. Donc, soustraction, ça lui sert à rien. D'accord. Bon, le reste, c'est toujours pareil. Équipement de titane. Nuit blanche, on y est à, ouais, dans deux combats. Et après, on passera la Coraline à Freya. Parce que je crois que Ryuken, c'est pour elle. Des combats, donne-moi un combat. On lui a volé une petite potion, ça se prend. Voilà, ça c'est fait. Voilà. On est à combien là en termes de level? Passer de niveau dans 6 points. Oui. Bon, ça va, c'est assez rapide quand même. On va fouiller un petit peu la forêt. Ok. Un brasier. Un petit ralentissement. Alors, niveau plus, ok. Et je pense à mon avis qu'on va monter jusqu'à niveau 12. Donc, ça fait une vingtaine de combats, c'est long. Hein. Faut que je regarde combien on a de points de gagner. Pam 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 pam. Alors, allons-y. Attaquer le Pélibon magie noire. On va rasier le Pélibon. Non, on va faire attaquer le deuxième. Normalement, entre la magie noire et l'attaquer normal de Freya, ça devrait passer. Défense. Ah non, même pas. Elle est vraiment faible en attaque normale.
Oh oh! Alors là, on a validé plein de compétences. On va aller voir ça. Ah merde, j'ai oublié de regarder les points. Bon, tant pis. Donc là, Aboulgil va être fait. Undead bientôt fini. Ça c'est fait. Nuit blanche est validée. Orphée est validée. Bon, donc là, avec lui, tout se passe bien. Ensuite, Freya. Dragon Killer, on s'en a encore le temps. Ça c'est Undead. L'entomo, il est fait. Une couverture, il est fait. Mitridate, il doit être fait, ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, les compétences du petit Bibi. Tonifiant est fait. Mitridate est fait. Ok. Donc, on va passer en équipement pour voir s'il y a des trucs qu'on peut changer. Ça, non. Soustraction, ça changera rien. Undead Killer, ça changera rien. Armure de lin, ça changera rien. Alors, Bibi, Brasier, ça changera rien. Carapace, il peut pas les prendre. Vitrumelé, il a déjà tout. Cuir, il a tout. Ok. Alors, je vous laisse, je reviens dans quelques petites minutes. Je vais très vite. Salut Chassod, comment ça va? Je reviens dans 2 minutes. Je vais en rechercher du café parce que j'ai plus rien. A tout de suite. Thank you.
Et voilà. Alors, ici, on rebaisse ça un petit peu. Et on repasse sur le live. Bien, bien, et toi? Ben, moi, ça va, écoute, tranquillement. Comme un dimanche, lendemain de soirée. Hop, voilà. Là, je suis en train de faire des petits combats pour level up. Et valider mes... récupérer de l'argent et valider mes compétences. Et toi, comment ça va? Tranquillement, ce dimanche, avec un petit peu de soleil. Hop, ça c'est fait. Alors j'ai bien envie de faire des combats jusqu'à ce qu'on valide Dragon Killer. Tranquillement, mais bon, c'est ma rentrée demain, du coup je bosse à la dernière minute mes cours. Ah ouais, merde. Ah oui, c'est vrai, les vacances, ces vacances-là, elles sont finies. Ouais, bah bon courage, écoute. En attendant les prochaines, les vacances de Noé. Ouais, il y a encore un... Il va falloir remettre des points de vie sur Jidan. Undead Killer, ça c'est validé. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'est l'équipement de Jidan. Ah bon, dans 5 points, ça sera validé, je pourrais changer d'arme. Parce qu'on a l'Organix avec AMP. Ah merde, il y a la Mid Dag aussi avec Lupin. On aurait dû commencer avec celle-là. J'ai été idiot. Il va falloir redescendre. Reste à savoir si plus tard on aura une compétence Lupin sur notre arme ou pas. Mais ça m'étonnerait parce que c'est une arme de bon niveau, donc... Haha. On va lui mettre la mid... Non. On va lui laisser le canif. On va finir regarder et ensuite on lui remettra la mid dague, tant pis. Ah merde, j'ai oublié de remettre de la vie sur Jidan, je vais lui mettre tout de suite. Non. C'est pas mal. On a endormi les deux. Tiens, ça c'est fait. Ouais, forcément, on passe à 220. C'est Bibi qui l'a fini. Bravo Bibi. Un mug. On va faire une tente. Voilà. Toum, toum, toum. Comme ça, on récupère tous nos points et on va sauvegarder.
Encore deux combats et normalement Jidan devrait avoir de ses compétences activées. Alors. Hop. Hop, ça c'est fait. Et t'es en quelle classe au fait, Chassod? Au lycée. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Voilà, regardez, c'est bon. Abogiste, c'est bon. Alors, on va repasser sur une arme moins intéressante, mais bon, tant pis. La mid-dague. Alors, une dite que là, on y est presque. Ça c'est bon. La rentrée c'est bon. Alors, Coraline. Tout ça a été validé. Donc ça on va faire. Voilà. Et ça on lui met à elle. Et voilà. Elle c'est Ryuken. Donc c'est une de ses attaques. Donc ça on va le valider. Voilà. Un gros killer, on a toujours rien d'autre. En tomo. Ça, on peut rien faire. Gantlex, c'est validé. Armure de lin, c'est bon. Ok. En gros, il va falloir passer la Coraline à peu près à tout le monde. Alors, on va voir si dans ses compétences. Je suis en Belgique, je suis en deuxième année des supérieurs pour avoir un bachelier en art. Ah oui, ok, d'accord. Tueur. Morphée. Bon, on va essayer d'activer les deux. Ah non, merde, on peut pas activer les deux. On n'en a pas besoin pour le moment parce qu'il n'y a pas d'attaque empoisonnée. Voilà. Olivier, lui, de toute façon, tout est validé déjà. Alors. Et alors, qu'est-ce que t'as à bosser alors finalement? Tu dis que t'as. Parce que tu m'as l'air en retard dans ton message. À la dernière minute, qu'est-ce que t'avais à faire? Donc je repasse en mode auto parce que là ça sert à rien.
1844. Ryuken, il faut 20 points de compétence, d'accord. Ah, mais des petits trucs que je devrais préparer pour la semaine prochaine, mais que j'ai pas fait, genre un instrument d'écoute. Un instrument d'écoute avec des matériaux de récup pour un corps que je n'aime pas trop. Et une image pour faire de la litho. Ah ouais, d'accord. Hop. Un dit killer, ça c'est good. Je me souviens plus ce que c'était pour lui. 40, oh putain, c'est long. Alors tu vas faire quoi pour l'instrument d'écoute? Un catu en PVC. Tom pom pom pururururu. Hop, slack, critique, 624, ouh, fait mal ça. Il en fait pas beaucoup des critiques, mais quand il en fait, c'est pas mal. On arrive à 10 000 giles. Pouvoir aller chercher les armes qui nous manquent. Les armes et les bijoux. Heureusement, il faut pas y passer des heures à chercher des combats parce que sinon. Raté. Hop, voilà. Moi je me suis acheté une sorte de pistolet à colle, là. Tu sais, ça, en fait c'est une sorte de petit pistolet chauffant et tu mets des petits bâtons dedans de colle et ça fond comme du plastique. C'est quand même plutôt cool en fait, je pensais pas que c'était la colle était aussi solide. Donc je vais pouvoir faire des trucs pas mal, surtout en termes de déco et tout, c'est bien. Une fois j'avais vu, en fait tu sais, les gens ils achètent des paquets là, de dinosaures ou pour les petits enfants, et en fait ils repeignent ça en noir, et après tu mets ça sur un pied de lampe avec des trucs de colle, et c'est vachement cool. Ouais, je l'ai aussi le pistolet. Yosh, salut Zik, comment ça va? Ouais, je sais pas encore, là je fais des tests pour faire une sorte de stéthoscope avec un entonnoir et un tuyau. Tu te casses pas le cul, hein. J'ai aussi pensé à relier un tuyau à un calab, une sorte de bambou pour la calligraphie. Et pour pouvoir écouter le trait sur la feuille. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que l'entonnoir sur un tuyau, c'est...
principe du son depuis Mathusalem. Comment ça va, Zik? Ça va, j'essaye de me lever. Ça m'a fait rire. Hier, je suis rentré, genre, il devait être 3h30 chez moi. En fait, tout le monde était encore... Tout le monde était encore en stream. J'étais mort de rire. Vraiment. Ouais, moi, ça va super. Je fais un peu de level up, là, pour essayer de valider les compétences et... pouvoir aller choper les équipements à la forge de Lindblom. Parce que la princesse, cette bitch, elle nous a empoisonné, elle s'est barrée. Alors on a 10 000 gils, ça devient bien. Béquet. Et comme un con, il y a la compétence Lupin qui était liée à la mythe dague qui est passée à l'as, j'avais zappé, donc je suis obligé de revenir sur une arme plus merdique. Il faut ce qu'il faut, comme on dit. Bon, on en est où là? Bon, niveau 12. Bon, on va aller jusque niveau 12 pour Freya. On aura 44, c'est bon. Et après, on passe à la forge. Parce que ça commence à me saouler. Plus c'est des ennemis à la con, toujours les mêmes. Oh, foudre plus. Ils sont vénères ceux-là. Buy a better weapon for Zidane. Hello, ciao César. Yes, because but I'm working on my competence. Let me show you. You will see. Ça c'est ciao César qui me parle sur YouTube. Because I forget this competence for Zidane. Non, let me show you. Tac. So this one here. Wow. This one here. I have forget it. And I have canif and organics. But I wanted to validate this competence. So I just level up a bit to have it. I'm not sure I can have Lupin. In with other weapon. But thank you for the advice and welcome. Oh, I see. So let's go to the forge. Alors. La forge. C'est les trucs ouvriers.
Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Alors, la forge. Time to go to the forge to buy the last equipment I found here. Où est-ce qu'elle était déjà? Merde, non, c'est pas là. Ah, it's not the good place. C'est pas là non plus. Merde, elle était où déjà? Commerçant. Ah, c'est peut-être là-bas au bout. Let's see. Ah, peut-être que maintenant il y a du café. Maybe there are coffee here to buy. No. Still not. Qu'est-ce qu'il y a, Zik? C'est quoi cette tête? Ah, voilà. Ah. Ce forgeron est très doué. Regardez ce marteau. Il l'a fait avec la poêle de la maison. Alors, le canif, ça c'est good. Une robe de coton. Jaune lard. Et une boucle pure. Ok. Oh, nice sword here. Gantlex. J'ai la tête dans le... Alors, voyons voir. Équipement. Ok. Hold up, carapace et scan. Mithridate, tonifiant et foudre. Ah, Bird Killer. Bon, on va commencer par ça. Ah, mais Bird Killer, à mon avis, il pourra pas l'avoir. Comme ça, moi, ça nous permettra de buter l'autre béquier, là. Bon. Ah, 57. Soustraction, ça marche pas pour elle.
26, esquive vers 8, non. Armure de la main. Ouais, Coraline, on le laisse. Ah, foudre! Yeah! Thunder! Herboriste. Ah, à mon avis, ça c'est pour la princesse. Ok. Et lui, il en est où là? 16. 16. Oh, fait chier. Bon, ok. Alors, on va retourner au château. Elle aime l'air de la princesse. Musique du jeu, c'est The Princess Like Grass. Alors, où est le château? Je sais plus s'il faut que je repasse par en dessous, par le sous-sol. Hop, le château. Le château. On peut enregistrer en... Ouais, non, j'ai pas besoin. Non. Ah! Je veux pas me lever, ben ne te lève pas, écoute. Reste dans ton lit. Stay in your bed. Wow. What a nice place. Que d'équipement. Alors, wagonnet du château de Lindblom. Alors, c'est sur place, et celui-là, il va où? La porte du dragon aquatique. On va y aller, on va aller voir. S'il y a des petits coffres à prendre. Non, il y a des gens qui débarquent, ah merde. Des gens qui débattent et même pas douché à rien. Une carte mammouth. Mammouth card. But I don't care because I don't like to play with the card system. Oh, what a nice place. On dit que ce port était très animé autrefois. Mais aujourd'hui, en plus de la brume, il y a de moins en moins de vaisseaux qui y entrent. Nous vivons l'âge de l'aéronef. J'ai de l'asthme, c'est sûrement à cause de la brume. Je veux entrer au château. À quoi ça sert de patrouiller dans un port désert? That's a good question. Ok, there are nothing. Là, y'a rien. Ok.
Ding ding. Welcome to Disneyland. Coupo. Alors. Moctesquieu. J'ai une lettre de Steelskin. Connais-tu Steelskin? On va la lire ensemble. Lettre de Steelskin à Moctesquieu. Après Lindblom, je me suis dirigé vers le nord. Sous la brume épaisse, en traversant la caverne de Guizmar, je suis arrivé pour la première fois au royaume de Blumessia. Quelle pluie! Je ne pensais pas qu'il pleuvait autant. D'abord, je me suis reposé un peu. Il est arrivé à Blumessia. Est-ce qu'il va bien? Ok, sauvegarde, oui. Porte du dragon terrestre, château de Lint. Ok, let's go. Alors, commerçant, est-ce que vous vous êtes préparé avant d'entrer dans la brume? La brume est vraiment épaisse ici, il faudrait que vous achetiez quelque chose par prudence. Alors, allons voir. 43, on n'a rien besoin. 16, on n'a rien besoin. 19, 10, 11, 15, 5, on va reprendre une. Hop. Merci. See ya. Alors, pour la Blumessia, passez par la caverne de Guizmar. Go through the Guizmar Cave. Elle se situe dans les montagnes au nord de Lindblom. En suivant les racines qui sortent du sol, vous arriverez à la caverne. Let's go. Chocobo. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir la carte? Donc là, c'est Lindblom. Là, c'est la porte du dragon terrestre. La caverne de Guizmar. On doit traverser ça. La forêt des chocobos. Ça, c'est ce qu'on a capté tout à l'heure. Alors, on va faire ça. Go here, here, here. Say hello to the chocobos. And go to the Guizmar. Let's go. Non, annulé. Non, annulé. Voilà. Choco, choco, choco. Choco, 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 bota, choco, 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 choco. Oh. Alors. Foudre. Cool. Tabloïd. On va voir ce que ça fait. C'est pas beaucoup, hein. Planté. Raté. Oh! Shiny! Wow. 1000. Pretty good. Flambos. Ok. Non. C'était où déjà? Ah, c'est ça. Ah, ça me fait chier que j'ai raté le fantôme. Je sais pas si je le reverrai.
Oh, what is it? Some really nice coccinelle. Brasier sur Miss Coxy. Tente. Ah, 800 gilles d'économiser. Spam. If you are still here, Caio César, don't hesitate to join us on Twitch. On my Twitch channel, you must have the link on the description of the video. Because usually I make some stream gaming and I do some creative streaming, so on Twitch, so don't hesitate to come and if you want to join. There is a swamp on your left side in the map, you can get another character there. Ah, queen on the left side, so here. Okay, let's see. I go to the Chocobo Forest first, and I go to take Quina after. Forêt des Chocobos. Kobo. Moi, c'est Mini, Master of the Forest. C'est lui, c'est mon partenaire Choco the Chocobo. Et ici, c'est la forêt des Chocobos. Vous avez pas vu une jolie fille avec des longs cheveux? J'en ai vu une, mais elle était pas jolie. Elle est pas venue ici. Peut-être qu'elle va à Blue Messia, c'est pas le moment de faire des détours. Vous êtes pressé? Oui. Allez-y avec Choco, Kubo, vous éviterez les monstres. Viens ici, Choco. Il a pas l'air de m'aimer. Pas du tout, Kubo. Si c'était le cas, il aurait déjà disparu. Viens par ici, Choco. Quoi? Allez, à votre jouet. Tenez, prenez ce choco-légume. Vous pourrez l'utiliser en dehors de la forêt pour appeler Choco. Il y a des traces de pattes de Chocobo à côté de la forêt. Si vous l'utilisez, le choco-légume là-bas, Choco vous rejoindra. Choco vous a la bombe. Si vous l'appelez, il viendra. Vous chercheriez pas des trésors avec moi? Appelez-le et revenez voir, je vous donnerai plus de détails. Un choco-légume. Ok. Je sais pas s'il y a des trucs ici. Juste... Non. Cette description, une jolie fille avec des longs cheveux, à croire qu'il y a que des tons dans ce monde, ouais, carrément. Alors, choco-légumes. Quoi? Moi, j'aime bien le thème de la marche en chocobo. Oh, c'est quoi ça? Choco, ça va? Quoi? Ah,
Alors, parlons-moi des trésors. Bonjour, je pensais que vous entendriez bien Choco. Quand un Choco a choisi un maître, il le suit toute sa vie. Mais la première fois que quelqu'un a essayé le manteau, Choco s'est enfui. Je l'ai aidé à s'évader et depuis on se cache dans cette forêt. Je vous explique. Choco a le pouvoir de trouver des trésors enterrés. Mais je peux pas monter sur son dos, alors je voudrais que vous m'aidiez. C'est 60 giles. Allez, vas-y, j'essaye. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, on fait bouger B. D'accord. Appuyez la touche B. Bah alors, where are you, petit trésor? Y'a rien là. Ah. Allez. Mais... What? Ah, ça y est. Vite, 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 vite. Non. Ah, merde. Bastard. You choco. Ça, ça coûte cher, hein, 60 giles. Ouais, ouais, ouais. Des embrouilles. Je sais pas s'il y a des trucs sympas à gagner là-dedans. Ah. Non. Boca. Ouais. Ah merde. Vite. Merde, fini. Trois points. Ukulélé, ouais, carrément. C'est un service que je vous rends. À chaque fois que vous trouvez quelque chose, vous gagnez des points. Il faut en accumuler beaucoup pour les échanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une pèlerine. 10 000 points. 10,000. En fait, ces trois-là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense. Carte vigilance, on s'en fout. Bon, elle est intéressante si tu veux les cartes, mais moi, je m'en fous. Pour avoir un chocolat écume, il t'en faut 10. Mais ça, on pourra, à mon avis, les acheter plus tard. Donne-lui des Ludostars, ouais, carrément. Une pèlerine, c'est une arme, je crois. Gris-gris, ça doit être un équipement... Enfin, un bijou. Angel Moon, je me souviens pas ce que c'est. Bon. On n'a pas le temps. C'est la guerre, un peu, Messia. Allez, hop. Ah, mais non, mais moi, je veux des combats aussi. Merci. Alors, on va par là. On va aller chercher Queen à Queen. Pa 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 p
Ah, sauter, ouais, on va le faire. Eh, ils ont un bon petit niveau, ces petits Samigoul. J'ai froid. Ma mère a pull. Comment ça va, mère Katharina? T'es déjà levé. Voilà. Mère Katharina, c'est une des couches tard que j'ai vues hier. Je vous surveille, vous tous. Je sais ce que vous faites. Ah, compétence. Qu'est-ce qu'elle a validé, elle? Moi, je vais passer avec ça. Mange une soupe. Alors, Dragon Killer, ouais, on y est presque. Nuit blanche, pas encore. Là, on a rien. Non, on a toujours rien. Non, là, je mange une soupe. Un petit peu fatigué, mais ça va. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh non! Et il m'a volé une potion, ce petit bâtard! Ah, j'ai faux! Tiens, bam! Ça t'apprendra! Ah, il sauve! Fumier! Me suis couché à 6h! Ah ouais! New follow, Kira Lucifer. Bienvenue, Kira Lucifer. Merci. Thank you. Comment ça se fait que tu t'es couché à 6h, Zik? T'es en boîte ou quoi? Si tu me dis non, j'ai joué à Overwatch, je me donne un coup sur la tête avec cette télécommande. Lardon, saucisse, pommes de terre, carottes, oignons, des épices, et puis d'autres trucs, je crois. Ah, là, ça a l'air sympa. Ah, et des lentilles. Ouais. En boîte, moi, bah ouais, c'est pour ça que je te disais que j'allais mettre un coup sur la tête. Bah quoi, tu pourrais les sortir en boîte, quand même. Ouais, bienvenue, hein, Kira Lucifer. Comment tu vas en ce dimanche de novembre? J'ai joué à Overwatch jusqu'à 4h du matin. Ouais, tu vois, je m'en doutais. Tu as joué avec ton pote là, Titi? Non. Kili, Titi? Oh. Puis j'écoutais du piano jusqu'à 6h. À poil dans mon bain avec un cigare et un cognac. Non, redescends, Zik déjà. Redescends. Beau gosse. Ah, tu vois? Je l'ai dit hier, il me croit pas. Beau gosse comme tes Zik de jeu, tu pourrais séduire tout le monde en boîte. Je suis pas un vieux dragueur qui va en boîte. C'est pas les vieux dragueurs justement qui vont en boîte. Le marais. Time to go to the swamp.
Mais voilà l'image. Bah, quoi l'image? Qu'est-ce que tu racontes? C'est cool d'aller en boîte. J'aime bien. Hein. Un Langstor. Volet de gemme. Aqua GN. Ouh. Hey. Une petite maxi potion sur Bibi. Bah, vous le dites, mais je suis passé à mort de rire. Tranquillou, j'attends la fin de mes téléchargements de FF7 et Star Ocean. J'ai profité des soldes PSN. Ah, cool. Ah, Star Ocean, j'aime bien aussi. FF7, je le ferai en let's play, je pense, la prochaine fois. Mais il faudrait aussi que je me tape les anciens, soit avant le 7, parce que j'ai fait le 6 un petit peu. Mais sur portable, alors ça m'a saoulé. Mais... Le marais des Koué. Des Koué. 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 Bon, bon, bon. Putain, ça là aussi, là, je trouve ce thème musical énorme. I, O, E, O. A, E, O, O. I, I, O, I. E, A, E, A, A. Oups, j'ai pas... Bah non, mais genre, tu crois que t'avais vraiment besoin de nous le dire, que t'avais pas lu ton livre? Mogmi, Mogu, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. What? Il y a un combat? There is a battle here? Comment ça se fait? En même temps, lire un livre en une journée, c'est chaud, hein? H2O. Je rappelle que H2O, c'est la formule scientifique pour dire l'eau, hein. Foudre, bam. Ah merde, Jidan, il a plus que 85. Ouais. Il fait 86 pages, 80 pages. Le truc a des yeux comme ça. H2O. Ah merde, non, hein. Ah non, ça va. J'avais lu en une nuit une fois, puis j'étais pété le lendemain. J'ai une pote, elle fait un marathon FF sur Twitch, elle est arrivée au 5 après 84 heures, sachant qu'elle stream que le jeudi. Non, c'est cool. Bon, moi je prends quand même mon temps parce que j'essaie de choper tous les trucs et tout, quoi. Ah non, non. On veut rien. Où je dois aller? Hey, si vous voulez à Blue Messia, vous devez aller plus au nord. Quand vous êtes sur l'Atlas, appuyez sur 1. Ok. Non, on veut pas aller là. Non, on veut pas aller là non plus. On va passer par ici. C'est une BD. Tahi. Oh, oh. Bon, je dois me sociabiliser, j'ai heureux. Ça marche. J'ai faim. I'm hungry. J'ai faim. Jidan a attrapé une grenouille. T'as une grenouille, Miam? Elle a l'air bonne, Miam. J'adore les grenouilles. T'es qui, toi? Je m'appelle... Alors, type, tribu des couets. Sexe inconnu. Bon, elle est quand même plutôt féminine, mais... Âge entre 70 et 90 ans. Ambidextre. Quina, confirme. Quina, tu veux cette grenouille? Oh oui, je la veux, Miam. Tiens, je te la donne.
Je l'ai eu. Quina a pris la grenouille. Elle est à moi maintenant. Quel. Quina, tu ne dois pas prendre les grenouilles des gens. Les premiers FF sont plutôt courts, ouais. Ouais, carrément, c'est clair. Quina, tu ne pourras pas trouver la voie de la nourriture avec les grenouilles d'ici. Mais maître, il n'y a rien de mieux que les grenouilles d'ici, Mian. Alors imaginons, elle a 70 à 90 ans alors qu'elle est gila son maître. J'en ai jamais trouvé d'aussi bonne d'ailleurs. Ah là là, si tu te contentes de ces grenouilles, tu ne trouveras jamais la voie, Mian. Le monde est vaste, plein de choses à manger et de grenouilles. Tu dois voir d'autres endroits et connaître d'autres plats. Il y a d'autres mondes? J'y avais jamais pensé, Miam. Il y aura des grenouilles meilleures? Bien sûr. Les couilles grandissent en mangeant des grenouilles, Miam. Il y a d'autres endroits habités par des couilles à l'extérieur. En mangeant des grenouilles en différents endroits, tu trouveras la voie pendant ton voyage. Cherche les marais des couilles. Voyageur, je voudrais que tu fasses découvrir les cuisines du monde à Quina. Tant qu'il y a à manger, elle peut aller n'importe où. Pas de problème. Mouche à beurre. Butterfly, mouche à beurre. Je pourrais manger. Ouais, mais je suis pas sûr que ça ce soit ta traduction anglaise de Butterfly. Je suis pas sûr que ce soit une marque du fait que tu sois un télo. Hein. Je pourrais manger des grenouilles, mais il y a plein de trucs meilleurs que les grenouilles dans le monde. Meilleurs que les grenouilles? Alors je pars, Miam. Je viens avec vous. Qu'est-ce que t'as, Bibi? Il ressemble à mon grand-père. Tu veux dire que quoi? Il ressemble à ton grand-père? Il le connaît peut-être. Je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le nez? Tu connais Quain? Non? Je ne connais pas ce vieux fou. Grand-père était un peu bizarre, mais pourquoi tu le connais? Je ne peux pas le dire, Mian. Grand-père te ressemble beaucoup. C'est normal, tous les couets se ressemblent. Une fois, j'ai dit ménopause au lieu d'hypoténuse. Ah ouais, bah là. Tu le connais vraiment pas? Je ne le connais pas, pas du tout, Mian. C'est vrai. Puisqu'il dit qu'il ne connaît pas, viens, Bibi, on s'en va. Merde. Ah ouais, on peut aller fouiller, va. Hein? Quina a un peu grandi en attrapant des grenouilles. Jiden, je peux attraper des grenouilles, Miam? Bon, mais pas longtemps. Merci, Miam. Donc, il y a des grenouilles aux pieds roses, il y a des grenouilles aux pieds verts, ça, je m'en souviens. Alors, par contre, là, il y a une jaune. C'est quoi, une grenouille d'or? Donc, avec les lignes noires, c'est les femelles. Ouais, c'est ça. Et il faut que j'essaye de les attraper. Alors, voyons voir.
Donc il faut que je laisse au moins une femelle et un mâle. Donc des femelles, il y en a deux. On va déjà attraper celle de là-bas. Hop. Alors il y en a une. Celle-là on peut l'attraper aussi. Elle veut pas sortir. Ah si, ah merde. Ah merde. Ah merde hein. Tu as fait des progrès, Queen. Tu t'es rapproché de la voie de la nourriture. Je te le donne avec joie, Miam. J'aime. Merci, Maître Quay. Miam, je vais encore m'entraîner. Putain, elle court pas, hein. Run, bitch. Femelle. Donc, des femelles, il m'en reste une. Hop. Ok. Regardez. Tu as fait des progrès, Queen. T'es approché de la voie de la nourriture, je te donne avec joie un éther. Merci, Maître Quay. Donc là, on a combien? Donc on a une femelle, un mâle. Donc il me reste que la jaune. I need to catch the yellow one. Ah merde, quand on est sur le pont, normalement, on peut l'attraper. Ah merde. Je vais loler, ça marche, Mère Katharina. Il va lire ton livre aussi. Délinquante. Yellow one. Bim. Regardez. Ok, il n'y en a plus. Du coup, tu fais la version Steam, je suis la version PC, ouais. J'ai pas de... Comment on appelle ça? Tu sais, en gros, le truc qui permet de capter le flux vidéo de la PlayStation. Elles sont pas trop dures à attraper. Ça suffit, Miam. Je reste sur le stream, mais je joue juste en même temps. Je pense au beau gosse, moi. Donc, Queena, c'est good. I, O, et O. Allez, O, O. Pleine lune, 250, ok. Bon, je vais mettre un petit chapeau pointu. On va lui mettre un Mithridate. Ça, il ne peut rien faire. Fourchette, on ne peut pas changer. Des armes. Ah, elle n'a pas beaucoup de compétences. Hein. Ah oui, mais elle apprend peut-être les compétences en mangeant, je ne me souviens plus. Ouais, c'est ça, de boîtier de capture. Ouais, j'en ai pas. Siette, il est plus beau, pété de rire. Mais ça va pas ou quoi? Il ressemble à un vieux Ewok. Katharina du désert. Il ressemble à un vieux Ewok.
Il a une barbe de 200 cm. On va lui laisser les Desert Boots pour le moment. On va lui mettre ça, même si ça sert pas à grand chose. Bon. Quelle heure il est? 15h57. Moi, je vais faire une petite pause cramage d'elfes. On va me reprendre du café chaud. Et je vous dis à dans une ou deux minutes. Enfin, 5 minutes. Allez, à tout de suite. Thank you.
Hop, voilà. Voilà, c'est good. J'en ai profité pour prendre de mon petit déjeuner, des amandes. C'est très bon pour le matin. Enfin, le midi, à 14h, ben, je n'ai pas encore mangé. Alors, pourquoi j'ai laissé un mâle et une femelle? C'est parce que, en fait, les grenouilles, elles se renouvellent plus vite quand il y a un mâle et une femelle qui restent dans la mare. Tu peux lui dire, mère Katharina. En plus, il est tout petit. On dirait le nain Gimli. Allez, hop, on est reparti encore pour une petite demi-heure de jeu. Alors, par où on sort par là? Alors, on va enregistrer. Tiens, je sais même pas si Quina. Ah ouais, bah voilà, à chaque fois qu'on récupère un nouveau personnage. En fait, il est à peu près il est au niveau des autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, viens voir. Où est-ce qu'on en était? Donc là, on doit aller là. Donc là, on a été un petit peu là. On va regarder les compétences. Pour voir ce qu'il y a à faire encore. On va passer par l'équipement, ça sera plus visible. Lupin. Bon, on va essayer de finir Lupin et ensuite on va à la caverne de Guizmar. Comme ça, moi je peux lui refoutre une bonne arme. 27. En fait, j'ai oublié de faire Lupin avant. Sur les combats les plus simples. Donc, j'ai des armes de meilleure capacité, mais je suis obligé de valider la compétence. Bon, allez. Et Quina, c'était quoi sa compétence? Où est-ce qu'elle est? Ah, pleine lune. Favorise la transe. Normalement, on peut les manger. Cannibale. D'accord. Donc, apprends une technique de l'ennemi. D'accord. Et magie bleue, c'est ça. Ok. Donc, on va faire défense pour le moment. Magie noire, brasier sur Moxie. Donc, ça, on va le faire sur la première. La deuxième, on va la buter. La deuxième, on va la buter. Et on va essayer de la manger la première avec Quina. Ah merde! Trop de puissance! Oh, c'est la puissance! La puissance, oh, c'est la puissance! Un point de compétence. Ok.
On est où là? Ah ouais, on en revient au début. Ok. Et toi alors, Kira Lucifer, tu joues un peu? Tu stream aussi? Il faut savoir que sur ma chaîne, c'est du stream Maidor. Normalement, foudre et attaque, ça devrait pas le tuer complètement. Ben, j'espère. Mother. Ok, cool. On va voir ce que c'est Mother. C'est quoi Mother? Blindage et carapace à toute l'équipe. Génial. Allez hop, c'est parti. Ah bah il est mort. Ah ça c'est bien. Une magie de renfort. Double et total pour toute l'équipe, ça vaut le coup. Utsukuchi! Salut, salut! Et Dragon Killer est appris! Dragon Killer est appris! Dragon Killer est appris! Alors, on va juste regarder les comptes. Mais non, je veux pas ça! De Freya. Donc, ça, c'est Dragon Killer, c'est bon. Ça, on peut pas lui apprendre. Mitrida, tout ça, ça a pris. Ça, ça a pris. On va lui enlever la coralline et on va mettre la coralline sur quelqu'un d'autre. Équipement. Bon, foudre, il en a encore besoin. Nuit blanche, ça ne peut la prendre, donc ça on va lui mettre. Ok. Alors, camp, on va activer nuit blanche. Activer la lune. Protège de Morphée. Très bien. Merci Utsukuchi pour le host. Ouais, ça va bien et toi? En ce dimanche de novembre. Utiliser une tente en plus. Non. Toum, toum, toum. On va sauvegarder. La forme, j'ai dormi 10 heures d'une traite cette nuit. Mort de rire. Ouais. C'est que t'avais du sommeil à rattraper. Moi j'ai pas dormi 10 heures, hein. Je suis rentré tard. Je me suis levé ce matin, je suis réveillé à 8h30 je crois. Je suis rentré à 4h. Après j'ai redormi un peu, je crois que je me suis réveillé vers 10h, 10h30. Qu'est-ce que c'est que ce petit rouge? Tétarosaur. Pumpkinhead. Ah putain, elle m'a défoncé. Fumier. Après Pumpkinhead, ouais. Ouais, j'avais dormi 8 heures en 2 jours, du coup là ça m'a fait du mal, j'imagine bien, c'est clair. Oh, ça fait chier ça par contre. Je préfère utiliser... Je préfère utiliser la magie de... Comment elle s'appelle? La princesse.
3 ennemis. Ah bah ça c'est cool. Bon, on va essayer toujours d'en manger une. Ouh, il est en transe. Bon bah tant pis, on utilise tout. Foudre. Il y a quand même de la gueule en version trans celui-là. Les stylés. Allez, Quina, mange. Ah merde, il est pas assez affaibli. Alors, il est bien sur FF9, j'avoue que je connais aucun FF très bien, juste FF7 parce que mon frère l'avait et je regardais jouer quand j'étais petite. Ouais, mais il est énorme, je l'adore. Je l'adore. Moi, j'ai déjà fait, hein. Ah, merde, putain, j'ai tué tout le monde. Il est super cool. En plus, le scénario, il est vraiment chouette. Sous couvert de... d'un style un petit peu... enfantin, fantasy, machin. Mais il y a grave de la gueule. On en arrive presque à la fin du CD1, si je me souviens bien. Parce qu'en gros, on s'en va vers la ville de Blue Messia, et on a alors à Blue Messia, on est à la fin du CD1. Donc la version PlayStation de base. On va utiliser sa magie bleue. Ah, dragon, Ryuken. Vas-y, show us. Oh, ça lui enlève aussi des MP. C'est quoi stock? Renforce la magie de Bibi. Ça, je ne mange pas parce que j'en ai déjà mangé un. C'est qui la Queen? Bon, allez, petit cannibale. Et il est mort. J'ai regardé un peu Citron Fringant y jouer. Ouais, c'est clair. Mais ils sont une paire. Alors, il y a ta Citron, t'as Zeke aussi qui l'a fait là il n'y a pas longtemps. Il vient de finir là, je crois. Cette semaine ou semaine dernière. Et en fait, je regarde aussi, ça me fait chier, donc j'avais 33 envie d'y jouer. Donc j'ai dit, allez. Et puis en même temps, c'était la bonne occasion pour me tester sur le stream de jeu. Bon, ça passe à peu près bien, ça va, je suis content. Et je joue avec la télécommande de la Freebox. Donc il y a les boutons qui sont inversés, mais bon, ça va, ça passe. Donc là, normalement, Bibi va attaquer pas beaucoup. Il vole une gemme et normalement, ça devrait être good. Elle devrait pouvoir le manger. Attaque Fréon, voilà. Que demande le peuple? On va voir ce que c'est Fréon. Killer. Ça y est, c'est fini ou pas? Est-ce
Est-ce qu'on peut reprendre une bonne arme? Ah putain, toujours pas. Oh, encore 3 points pour la compétence, après on peut revenir sur une arme de meilleur calibre. J'avoue, j'ai été surprise en te voyant lancer du gaming, mais l'idée est bonne. Bon, après par rapport à mes streams, c'est assez complémentaire parce que je fais... Enfin, quand je fais du créatif, c'est surtout du... Ça, quand même, ça tourne quand même autour du concept art de jeux vidéo, character designer de jeu, donc bon. Mais ouais, j'avais envie, puis comme ça, en même temps, ça me permet de jouer... Bon, là, je consomme des points de vie pour rien, mais c'est parce que j'aime bien utiliser les magies. Des points de magie. Je crois que tous les créatifs que je connais se sont plus ou moins lancés dans un mi-arme gaming. Bah après, en fait, en gros, par rapport au gaming, je vais pas, tu vois, en faire tout le temps. Là, c'est parce que c'est... Comme ça, FF, c'est long. C'est ça qui est bien. Mais je pense que je vais faire surtout, tu sais, un peu les jeux qui m'impressionnent visuellement ou scénaristiquement. Ou... Quel est ton FF préféré? C'est celui-là. J'ai adoré le 7, hein, vraiment. Mais genre, je l'ai adoré, adoré. Mais le 9... En fait, le 9, c'est la première fois que j'ai pleuré dans un jeu vidéo. Et niveau visuel, niveau... Bon, après, il y a des améliorations qui pourraient être apportées au jeu. Hein. Mais j'avais été vraiment extrêmement impacté par ça. Et même encore maintenant, Bibi, c'est mon personnage de jeu vidéo. De tous les jeux vidéo confondus, c'est mon personnage préféré. À cause du scénario, de son histoire... Et donc c'est pour ça que je regardais justement les Let's Play Final Fantasy 9 sur Twitch. Et en fait ça me frustrait de pas pouvoir y jouer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon tiens, je vais faire du gaming là-dessus. Parce que normalement je suis une chaîne créative, vous pouvez aller voir dans les vidéos en replay. Normalement je fais du créatif. Donc là, Fréon... Ah non, Fréon, on l'a pas encore vu. On y va, on essaye. Oh, c'est stylé. 35, bah ouais. Une bestiole d'eau, donc elle est pas très très sensible à ça. Aqua GM. Merde. Bah c'est un peu complémentaire avec le live créatif Lupin, ça y est. Wouh. On va pouvoir revenir à une arme mieux. Entre les deux, ouais, gaming, ouais. Puis bon après. C'est aussi en termes de, comment ça s'appelle, de développement pour la chaîne. Parce que le gaming, ça permet de rencontrer des gens qui viennent pas sur le créatif d'habitude. Donc ils sont intéressés par exemple, voilà, par les lives créatifs ou talk show, etc. Mais comme ils restent sur des jeux, enfin sur les lives de jeux, ben, tu vois, ils rencontrent pas les artistes que tu peux avoir sur Twitch. Et il y a quand même une communauté super sympa, des gens super cool. Par exemple, Kutsukuchi, elle est modo chez... chez Waxowood. Moi j'ai pas mal de streamers créatifs qui passent ici sur ma chaîne. Et inversement, moi j'aime bien aller voir par exemple Cora. J'y vais le soir, etc. Planétéo, pareil, j'aime bien aller l'écouter, lui il fait de la lecture. Cora il fait du dessin, moi je fais en gros ouais, du dessin aussi. Donc le gaming en fait finalement ça permet de ramener un peu de la communauté gaming sur la communauté créative, parce qu'il n'y a pas, malgré tout, beaucoup d'échanges. Bon, voilà, c'est ça qui est cool aussi, quoi. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, équipement. Bon, donc Lupin est à prise. On peut virer ça. Donc, Canif, c'est good. Et on passe à Organix. Go, go, go.
Là c'est good. Hold up c'est good. Parce que forcément nous on a besoin quand même d'avoir des viewers. Donc mec, même si on a des viewers plus spécialisés. Au fait, j'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, ta carte de vœux sapin est sublime. Je t'ai pas vu la terminer, mais le résultat final est hyper classe. Bah merci Utsukuchi. Rectification, je suis modo. Ouais, bah c'est ça en fait, dans toute la bande des Wood. Waxo, sa copine Cookie, Linkiwi qui est aussi modo, je crois, Skyder34 et Siete qui est le fils caché de Cookie et Waxo. Une sorte de fils adoptif. Comment ça, la liste est longue. Donc ça, c'est good. Moi, que chez Siete. Ah, t'es modo chez Siete, Mère Katarina. Ah, c'est cool. On va rappeler... Viens ici, toi. Hop, on se repose. Comment ça, la liste est... Ah, c'était, c'est son vrai frère. Ah, d'accord. C'est son vrai frère ou... Et je spam cette société. Mais non, ah d'accord. Non, c'est pas son vrai frère. Ah, c'est par rapport à l'âge. Je sais pas, j'arrive pas à définir l'âge de Siete avec sa barbe et ses cheveux. Et ça. En fait, je me suis demandé s'il enlevait sa casquette, si en fait, finalement, c'était pas des faux cheveux qui étaient collés à la casquette et ça se trouve, il est super chauve. Qui c'est qui a 30 ans? Siete? T'es pas sérieuse. On va essayer Mother, je l'ai pas encore vu. Non, c'est ses vrais cheveux. Non, genre, ils se connaissent depuis... Ils font les 400 coups ensemble, c'est des bros de cœur. Ah, d'accord. Ok. Il a retiré sa casquette pour moi. Oh, c'est beau. Queen a déjà plus de magie, putain. Tu l'utilises une fois, t'es dans la merde. Oh, arrêtez de faire les fangirls. C'est bon. Je voulais mettre un lien, mais non. Bah oui, un lien de quoi? Ouais, ouais, Waxo et Cookie, je savais. Bah, bon, ils ont pas encore 30 ans, hein. Waxo, je crois qu'il a... Il a 27, c'est pas ça? Tu voulais mettre un lien de quoi, Mère Katarina? Si c'est un lien important, tu peux me l'envoyer en MP, hein, je posterai moi-même. Une photo de Waxo, Siete et des gens. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Mélodie. Est-ce qu'on a encore moyen d'augmenter d'un niveau? Ouf, 824, chaud. 440, 412. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... Ouais, on va aller à la caverne.
Et je vais enregistrer juste avant la caverne. Là, on sent que les combats sont un petit peu plus difficiles. Je suis obligé de mettre plus de tentes et plus de tout. Ah, d'accord. Tu y étais aussi alors? Non. T'es pas sérieux? Mais si, tu m'as dit ça. Putain, mais moi j'étais persuadé que c'était, il avait genre, je sais pas moi, une vingtaine d'années. Après, je te dis, j'arrive pas à définir avec sa barbe et tout, forcément. J'arrive pas à définir. Bon, non pas que Waxo et Cookie fassent 30 ans. Hein. Oh. Tourne caméra. Alors, voyons voir. Où est-ce que j'en étais? Nous, on va ici. Putain, il faut être calmé, wesh. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un bug, je crois. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? What? Non. Non. Putain. J'ai dû activer un truc genre mode accéléré. Oulala, là là là. Comment on fait? J'ai appuyé sur quoi, moi? Non. 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 Bon, je vais enregistrer, je vais regarder comment on fait parce que j'ai aucune idée. À mon avis, j'ai dû mettre le mode accélération de combat pour que les combats puissent se dérouler plus vite. Ouh là là. Et je ne sais pas comment désactiver ça. Bah oui, je le vois là, accéléré. Ici, il y a deux petits triangles. Normal? Non. Je suis obligé d'appuyer comme un dingue. Ouh là là. Why are you using Freya in defense mode? Because I haven't really care about position, you know, between defense and attack. So I just for the moment I just take a look to the level. Bah ouais, mais je sais pas comment ça se désactive. Donc c'est pour ça, de toute façon, je vais enregistrer. Je sais pas comment on l'enlève. Je sais même pas comment ça s'est activé en fait. Voilà. Alors, sauvegarde, oui. Toum, poum, poum, poum. Hop, voilà. Ok, bon. C'est l'heure pour moi de vous quitter, 14h30. Merci à tous d'être venus, c'est cool. Ah, je sais même pas qui était là. Tu, 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 tu.
Alors juste, je regarde ça. Voilà. Alors, moi je vais bientôt à l'Apex WoW avec Cookie. Alors, mais en fait, j'ai rajouté Cookie j'ai follow Cookie, mais genre, je suis encore jamais tombé sur un de ses lives. Donc, en tout cas, bah, écoutez, moi je vous remercie à tous d'être venus. Merci pour les nouveaux follow. Donc, à savoir. Il faut le temps que je reprenne les noms parce que je me souviens plus comment ça s'écrit. En fin d'année, son boulot à la FNAC prend tout son temps. Ouais, bah ouais, j'imagine. Bon, donc en tout cas, merci aux nouveaux follow. Stream label déconne. Alors j'ai un Final Fantasy en mode accéléré ultra rapide. Et on stream label déconne grave. C'est la fête. Bon, donc en tout cas, moi je vous dis un gros merci. Je vous dis donc rendez-vous demain, 21h, pour le live créatif. J'ai pas encore défini le sujet, mais je mettrai ça demain sur le Discord. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le Discord, à le acheter si vous voulez. Avec les nouvelles. En gros, j'ai modifié les trucs parce que moi je faisais un art the art of viewer. Donc ça veut dire en gros, les viewers de la chaîne peuvent présenter leur dessin, etc. pendant le live. Mais il y a énormément de gens qui font ça. Et donc j'ai modifié un petit peu le concept. Voilà. Donc ça, j'en parlerai demain. Demain soir, donc à partir de 21h, live créatif, donc n'hésitez pas à venir. Donc un gros merci encore aux personnes qui ont follow la chaîne, c'est vraiment cool. Salut X-Crodron. Désolé, je suis en fin de live là de cette partie 6 sur Final Fantasy 9. Donc n'hésite pas à follow la chaîne, à regarder les rediffs, à follow la chaîne si ça te plaît. Comme ça, tu pourras être averti des prochains lives. Thank you, ciao, for your advice and for following me on YouTube. It's really cool. And I see you very soon. Allez, bye, des gros bisous et bon dimanche à tous. Bye bye, ciao, 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 ciao.